Aujourd'hui, nous allons voir comment composer une jardinière de Dipladenia, qu'on appelle aussi Mandevilla. On a affaire à une plante liane très florifère qui va nous offrir de magnifiques fleurs blanches, roses ou rouges jusqu'aux premières gelées. Certaines ne dépassent pas 20-30 cm de longueur, mais d'autres s'étendent plus et on les palissera sur un treillis pour en profiter pleinement. Je vais placer 3 Dipladenia dans cette jardinière de dimension classique. En les nourrissant bien, ils y passeront la saison sans souci. Justement, pour les nourrir et favoriser leur développement, il y a un terreau tout indiqué. C'est le terreau Géranium et Dipladenia hors brun. Il est parfaitement adapté à la culture en contenant et surtout, il est formulé pour favoriser la floraison des Dipladenia grâce au fumier et aux algues dont il est enrichi. Les Dipladenia apprécieront une couche de drainage au cas où l'eau d'arrosage stagnerait dans la coupelle. Je pense donc à verser des billes d'argile hors brun avant d'effectuer mon rempotage. Une fois le rempotage terminé, pensez à faire un bon arrosage. Les racines des Dipladenia sont épaisses et elles leur servent de réserve d'eau. Ils ont donc les moyens de résister à un épisode de sécheresse. Je vous recommande toutefois, pour observer une belle floraison, de les arroser régulièrement quand il fait beau. Le terreau est enrichi en engrais organique, mais les Dipladenia vont consommer ces nutriments. Il faudra donc prendre le relais, par exemple avec l'engrais liquide fleurs hors brun. Appliqué toutes les 2 semaines, il va nourrir nos plantes et soutenir leur floraison. Choisissez un emplacement ensoleillé pour votre jardinière de Dipladenia. Cela favorisera aussi une floraison abondante. Et pour avoir vraiment les plus beaux Dipladenia du quartier, le secret, c'est le stimulant expert booster de vitalité hors brun. On dilue un bouchon dans 1 litre d'eau, on verse la solution dans un spray et on l'applique par pulvérisation sur le feuillage tous les 15 jours. Effet anti-stress garanti pour vos Dipladenia. Les parois des cellules végétales sont renforcées, leur capacité de résistance au stress est augmentée, leur santé et leur vitalité sont stimulées, ils sont mieux protégés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez poster vos questions et vos remarques en commentaire. Souriez, vous jardinez.